Mes chers amis, faut expliquer. La saga continue après le dénigrement sur Emma. Sortez, vous bipez les gens, appelez les autres, bipez les autres. Voici Doris qui est la meilleure amie d'Albertine, qui dit que Paflo est trop une racoleuse et une commandeuse derrière Albertine. Ok, parle, parle. Et moi, l'Esprit de Dieu m'a dit ça, que ah, je suis sûre que Albertine, elles vont se voir là-bas. Elles vont aller manger au restaurant. Voilà ça que je te dis ça, l'Esprit de Dieu m'a dit. Quand tu m'as dit ça hier ou avant-hier, c'est passé dans ma tête. La fille là, c'est quoi ce racolage là? Attention, ça commence fort là. La fille là, c'est quoi ce racolage là? Elle a racolé, elle est venue. J'ai vu le nombre de bouteilles de cristal que tu lui as donné. Pardon? Quoi? Le nombre de bouteilles de Dom Pérignon que tu lui as donné pour son clip. Hey! Le nombre de Armand Brignac, de Brignac que tu lui as donné. Elle, ça ne la suffit pas. C'est quoi ce racolage là? Mais je crois que... Oui. C'est quoi ce racolage là? Il faut arrêter ça, que tu voyages avec ton mari. Au lieu que tu te concentres spirituellement pour que tout se passe bien, tu vas te pavaner à gauche, à droite, à ville. Albertine, tu es une femme mariée. Il faut arrêter ça, ma soeur. Non. C'est comment? Tu es obligé de la tirer tous les jours sur toi. Tu lui dis que non, tu vas accompagner ton mari pour un truc important. Tu n'auras pas le temps. Pour... Tu ne sais pas dire non. Ah, toi aussi, tu fatigues. C'est pas de ma faute. Tu... Hey, laisse les gens. J'ai parlé avec son manager l'autre jour, le gars. Il est trop fâché quand elle n'a pas payé le gars son argent. Est-ce que c'est normal? Hein? Quoi? Répétez, s'il vous plaît. Il est trop fâché quand elle n'a pas payé le gars son argent. Est-ce que c'est normal? Et elle ne respecte pas les contrats avec ses autres partenaires. Elle n'est pas professionnelle. Wouh! C'est quoi ça? C'est pas si... Nora! C'est quoi ça? On peut être méchant comme ça? Elle n'est pas professionnelle. Quand elle savait l'argent, elle va faire quoi avec? Elle va aller manger au restaurant, porter ses habits qu'elle porte là, ça va faire quoi? Moi, avance. Qu'elle avance aussi de son côté là-bas. Franchement, l'histoire là, c'est très dangereux. Mais maman, ça suffit! Oh, tu peux rêver, ma cocotte. Tu peux rêver, ma cocotte. Mais après, trop, c'est trop. Quitte-la! Il y a une imbécile qui vient me dire carrément que oui, Eka n'est pas, tu n'es pas au niveau de, tu n'es pas au niveau de Emma Loès. Faut emmener ta camarade Albertine. Ta camarade Albertine peut se comparer à Emma Loès. Il dit, yeah, maman Nangaï, Jésus-Christ de Nazareth, ouais. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me suicide. Le jour que Emma pourra se comparer à l'orteil de Albertine, je me jette de mon quatrième étage. Elle n'a qu'à d'abord finir, moi. Une envieuse, ma soeur. Une envieuse. Elle n'aime pas le bonheur d'autrui. Là, maintenant que moi, j'aime vous lancer, vous vanter. Ah, ma copine Albertine, elle a si. Ma copine Mijes, elle a si. Elle, là, petit que moi, j'ai là, ses problèmes. Je vais rester telle que je suis. Je leur mets des bims, c'est moi, ma soeur. C'est ça qui est ça.